Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Perderte, perderte otra vez. C'est une chose que j'ai cachée pendant tellement longtemps, mais j'ai perdu ma mère et j'ai vu ma mère souffrir, oui, à 11 ans et demi, et j'ai vu ma mère vraiment mourir d'amour, littéralement. Qu'est-ce que ça veut dire, mourir d'amour? Ça veut dire qu'elle aimait mon père d'une manière tellement absolue, qu'elle voulait lui plaire infiniment et qu'elle faisait tout pour lui. Et il était très beau, il était comme un dieu. Quand il entrait dans une pièce, toutes les femmes étaient magnétisées par lui. C'était lui, hein, voilà. Et il était vraiment seigneur et méchant homme. Voilà, c'était quelqu'un d'assez égoïste, mais de très intéressant, de passionnant. Et ma mère a toujours été une sorte d'esclave de son amour pour lui. Que je comprenne, Ariel, quand vous dites « ma mère est morte d'amour ». Oui. Malheureusement, enfin, elle est morte d'un cancer. Oui, elle est morte d'un cancer, mais vous voulez dire qu'elle s'est laissée mourir? Je pense, oui, qu'à un moment donné, elle a dû penser que c'était trop dur. Oui. Mon père avait une maîtresse et une femme remarquable aussi, quelqu'un probablement de très écrasant. Et donc, elle a lâché prise, c'est voilà. Ça que vous voulez dire. Oui, oui. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Quand j'étais enfant, je me suis dit je serais une femme fatale. Je serais le contraire de ce qu'a été ma mère. Je serais une femme qui va annihiler les hommes, qui va les faire souffrir, qui va être une sorte de personne inatteignable et ils vont mourir pour moi. C'est pas moi qui vais mourir pour eux. Et j'avais ces deux images comme ça. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut être dans la vie? Est-ce qu'il faut être une victime absolue de la vie? Car c'est une tentation aussi. J'ai dépassé l'âge, la mort de ma mère. Alors à 34 ans, j'ai dépassé l'âge. Je me suis dit, ah bon, voilà, maintenant je vais vivre sa vie plus la mienne. Et je la fais vivre à ma manière et elle ne sera pas assassinée.